Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi à l'écurie parce que là j'ai rentré les chevaux, ils avaient les rappels de vaccins à faire aujourd'hui. Le vétérinaire est venu cet après-midi et surtout on a enfin eu l'antibiogramme de Romero, donc on sait quelle était la bactérie qui provoquait l'infection et donc on a pu enfin adapter l'antibiotique. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc notre cher petit Romero, ici présent, a eu sa première injection d'antibiotiques aujourd'hui. Vu que le vétérinaire est venu faire les rappels de vaccins, il en a profité pour lui faire sa première injection. Ça m'évite de le faire aujourd'hui. Donc Romero, il avait un rappel de rhino. Pour le reste, il est à jour, grippe et tétanos. Il n'y a que Da Vinci qui n'a pas été vacciné du coup parce qu'il était déjà à jour. Il a été fait en septembre, il est fait une fois par an. Voilà. Ensuite, Arc-en-Ciel, il a eu grippe, tétanos et rhino. Il avait son rappel à faire, donc comme ça, c'est fait. Et les quatre petits vieux, eux, ils sont vaccinés uniquement tétanos parce qu'ils restent à la maison, ils ne sortent plus. Donc Cricri, elle a eu son rappel tétanos. Mistral, il a eu aussi son rappel tétanos. Mistral, il a faim. Mistral, il bouge beaucoup. Quand il bouge beaucoup, c'est qu'il a faim. Voilà. Et petit Ronaldinho et Romorantin ont eu également leur appel tétanos. Oula, lui il saigne du nez. Alors Romorantin, ça lui arrive des fois de saigner du naseau là. Parce qu'en fait, il a, comment dire, juste au-dessus, il a la cloison nasale qui est déviée. Et quand il se gratte trop fort la tête contre le mur et tout, des fois il se fait, il se pète des petits vaisseaux et il se fait saigner légèrement la narine. La première fois qu'on a vu ça, on a eu ultra peur, on avait appelé le vétérinaire. Et en fait, en faisant un contrôle, etc., on s'est aperçu que tu tchouques, oui, qu'en fait, c'était sa cloison nasale qui était déviée. Et quand il se frotte la tête, ici, des fois, il se provoque ça tout seul. Du coup, bah, ça fait claquer des petits vaisseaux sanguins. Voilà. Lui, il a faim, oui. Lui aussi, il a faim. Oui, il a toujours faim, celui-là. Regardez cette bedaine. Vous croyez que ça s'entretient comment une bedaine pareille? C'est en mangeant toute la journée évidemment. Bon, bref, du coup là il est, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est 4h30. On n'y voit plus rien, oui c'est ça. Grossièrement 4h30 et c'est pas l'heure à laquelle je les rentre d'habitude. Mais là comme ils ont été vaccinés, je les ai rentrés plus tôt. Et comme ils sont fatigués, ils vont pouvoir se reposer. Mais du coup je vais leur mettre du foin maintenant parce que là ils ont passé une heure sans foin pour se reposer et maintenant bah, je vais leur donner à manger parce que faut pas laisser l'estomac vide trop longtemps et surtout d'habitude ils sont à l'herbe toute la journée donc ils ont jamais l'estomac vide en fait. Donc là je vais leur mettre du foin, on y va. Entre-temps, j'ai servi le foin aux chevaux et je suis partie un peu au jardin parce qu'on a un grand jardin chez nous et j'ai été ramasser les citrouilles qui étaient sous les feuilles qu'on trouvait pas. Donc je pense que j'ai dû ramasser au moins 15 kg de butternut, citrouille, etc. Bref, comme ma mère est malade, en fait, c'est moi qui vais faire à manger ce soir pour ma famille, donc... Voilà, j'ai pris un peu de temps pour ça. Voilà, mais là il est presque 18h et du coup ça va être l'heure pour les chevaux de manger. Donc je vais leur préparer leur gamelle. Romero, avec sa petite tache jaune. Ça gratouille, hein. Avec sa trace, j'espère qu'il ne l'a pas essuyé dessus. Bien sûr que si. Bon bref, il avait de la pommade là, il s'est essuyé sur moi, donc je vais lui remettre, c'est pas grave. Mais bon, je vais leur préparer à manger. On sait l'heure de manger, oui, dis donc. Et ça se plaint hein, par ici, ça se plaint. On a faim, on a faim. On meurt de faim, nous sommes très maigres. Oh oui, oh là là, on voit que les os. On voit que les os sur la peau là. Faudrait que je fasse une tournée de crottin aussi, histoire de nettoyer un petit peu les box. Oh là là, celui-là aussi, on voit que les os sur la peau. Et encore qu'à la caméra, ça fait une forme étrange, mais
On est bien dodu quand même. Un hein. Bonito. Bon allez, je vais leur faire à manger. Bon, comment dire, étant donné qu'ils sont rentrés à 15h, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que d'habitude, ils ont déjà fait minimum un crottin chacun. Donc je m'en vais de ce pas avec ma brouette, ma pelle et mon râteau, faire une tournée de crottin dans chaque box pour qu'ils soient propres pour pouvoir se coucher et dormir ce soir. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aller me suivre sur Instagram, @sarahblanchardressage, parce que j'y poste énormément de choses. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.